Et nous sommes en territoire d'Enyiragongo, dans le groupement Kibati. Ici, sur un terrain de 3 hectares, seront inhumées les 35 victimes des bombardements du camp de Lushagala à Mugunga par la coalition M23 armée rwandaise. Ce terrain a été visité ce vendredi 10 mai 2024 par la délégation du gouvernement central en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, qui annonce la désaffectation de cet espace. Nous avions signé hier soir un arrêté qui désaffecte ces terrains et qui l'attribue au mémorial que nous allons faire ici en mémoire de nos victimes de la barbarie des Rwandais et leurs supplétifs. Ici sera le mémorial où seront désormais enterrées toutes les victimes de la guerre que mènent les poulains de Paul Kagame sur le sol congolais, annonce le ministre des Droits humains Fabrice Puela. Du site qui était réservé aux anciens combattants pour ériger les sites de mémoire, ce cimetière qu'on appellera génocoste, c'est-à-dire les génocides pour des fins économiques. Et nous tous, nous viendrons ici pour nous recueillir, pour nous souvenir, pour conjurer les sorts. Soulignons que peu avant, sous l'égide du FONAREV, cette délégation gouvernementale a visité les familles victimes des bombardements de l'armée rwandaise sur les camps de Lushagala. Arrestation de mercenaires polonais à Rutshuru. Bande Kurangai. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout. Bienvenue sur votre émission que vous suivez de partout. Kagame déjà a commis pour perdre. Malembe, malembe. Bande Konangaï. Ah, la RDC. La RDC. Une jupe de M23 transportant de munitions arrêtée par les FRDC. Match Balouki, je vous ai dit. Na kobeta 7 awa wakeno. Match Balouki, match Balouki. Ben, information trop coupée, Sabino. Ce sont des informations vraies, très chers Congolais. Bon soutenir Bissot. Bino ba obo, bozana Poto, bozana Congo, bozana bo soutenir cette chaîne. Beaucoup soutenir chaîne Onanini. Partagez mes émissions. Oyo yo. Bon commenter, bon liker. Ce qui peut osana ba moyen. Ou tinde li biso, et comme ça la biso peut vivre bien, tout moni ke non Congolais moko, to liye mbongo ya Congolais moko. To zi moi micro ya Congolais moko. Ou tinde li biso ata moi micro. Ou tinde li biso ata caméra, poto zwakata ba image, parce que tout an a problème ya caméra. Ou soit ou tinde li biso ata moi téléphone moko, to zwaka, ata moi ba image. Et comme ça la biso vrai bien. On est des Congolais, de père et des mères. Très chers Congolais, je vous ai dit ici que non, Kagame, ba stratégie n'a eu qu'on a déjoué. L'armée congolaise monte en puissance. Le plan qui était déjà élaboré avec Hippolyte Kanambe Kazembe, comme qu'on a le plan moko, déjoué. Ne place au wapi Kabila, comme qu'on a le souci, le quoi, ça la thé. Ne place au wapi Kagame et au bout de ce qu'il fait. Je vous ai dit ici que non, le phare de c'est le Wazalendo, à quelques kilomètres de Kigali. Batonzou, bah, comment on va ventir, hein? Qu'on a quelques kilomètres, na Kigali, et ni qu'on le batte à la présence physique, oui. Peut-être un moussou, pe barab, ba, drone, na bisou, et zadien à Kigali. Peut-être un moussou, pour mon appel, oui, moussou, ba, nino, ba, arme, na bisou, moko, oyo. Ils sont invisibles derrière la dernière qui gagne. Et qu'on se l'aura fait vers mon compte en boucle pour tout bombarder. Être cher Congolais. Je vous dis, très cher Congolais. Je vous dis, très cher Congolais, que non. Match Balouki. Dernièrement, bah moi et Leki, on avait fait une révélation. Oh, le wapi, tout le bas qui est que. La Pologne a tellement qu'on a la déclaration pour dire que non,
Moto oya kolinga a menacé Kigali Rwanda Kagame biso toko soutenir ye. Toko sou, et plutôt biso toko menacé pe moutou wana linga menacé Paul Kagame. Et puis la Pologne avait envoyé, si je ne me trompe pas, le nombre c'était entre 5000 hommes polonais au bénéfice du Rwanda pour renforcer les M23 pour massacrer le peuple congolais. Sur la photo oyo wapi et circulé na ba etando ikena bino, nous avons vu des Polonais avec des tenues rwandais, des tenues de militaires rwandais. Vous avez vu aujourd'hui l'implication totale de la communauté internationale en train de soutenir le Rwanda en retour pour piller le minerai de la RDC, massacrer la population congolaise à l'est du pays. Nous sommes en charlatan moko boyi. Ba tolo la ba Corneille Nanga, ba Joseph Kabila, ba Olive Lembe, hein? Ba John Numbi. Des gens qui sont au service du Rwanda, au service de Kagame, en train d'appuyer tout ce qui sont et tout ce qui se passe à l'est du Congo. N'est-ce pas Emmanuel Macron? Il est d'accord, Nanyan Sotoué collègue à l'est de la République. Vous avez vu la déclaration de l'ambassadeur, il y a Union Européenne, nous ne croyons pas à une solution militaire devant cette crise entre la RDC et le Rwanda. Ils savent très bien que non, leur complot est causé à anéantir tout en soutenant la RDC. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des vases et moyens, des va-et-vient. Comment est-ce que jusqu'à arriver au point que non, la RDC va pousser à négocier na Kagame? Parce que la seule chose, oh, Hippolyte Kanambe Kazembe, qui est Kabila, na ba Kagame, oh, bango ba ko luke zaline. La négociation entre la RDC et le Rwanda. Et là, quoi, comme Mabiso, on a infiltration, brassage, mixage au sein de l'armée congolaise. Et puis, infiltration na kati ya institution à l'État. Et là, quoi, Kabila, ça a plus de 18 ans à pouvoir. À côté, ça, ba Rwandais, yako sakanate. Même l'armée congolaise, ils ont qui infiltré na ba Rwandais au bazali bandeko ya Kabila. Aujourd'hui, Jeannette Kabila nous a tout révélé. Les plans qui étaient préparés pour vendre les Congo au Kabila Bongi, ça fait plus de 18 ans. Ndenge ni na côté ka Congo na maboko ya ya communauté internationale. Dieu est bon, Simon Kimbangu a telemi, Jésus-Christ a telemi. Le plan a été déjoué. Kabila atikala sko iolé là. Yango boko remarqué Olive Lembe. Il était la première personne devant la population congolaise. En train de nous dire que nous avons prié très fort, très cher Congolais, pour que le retour de Joseph Kabila dans la RDC. Parce qu'il avait terminé la guerre avec un simple stylo. C'est faux. Kabila n'avait pas terminé la guerre à l'est du Congo. Joseph Kabila a sili sa guerre dans l'est du Congo. Je le répète pour la troisième fois. Joseph Kabila a sili sa guerre dans l'est du Congo. Joseph Kabila avait pris les raccourcis. Parce que Joseph Kabila, tout d'abord, il était un rebelle. Il n'était pas militaire, il était un rebelle de Paul Kagame. Parmi Bato Obane Koluka, Bako placé à la tête des Congo. Parce que on avait eu les Congolais qui étaient Mouzé Laurent Désiré Kabila. A te kimbo kana niveau ko saranate na accord de l'Emirat nyos wana nini soif ya pouvoir tango komi ko comprendre ayo ko telemi la ba occidentaux nde ba yaka ba assassinat Mouzé Laurent Désiré Kabila sko pona ko tsamutu la tête du Congo. Ils ont voulu mettre placer une personne qui n'est pas congolais de père et de mère, parce que au risque la personne prenne conscience. Ya ko comprendre que nous bande konangai na soutenir bango. Ba écoutez la biso Joseph Kabila de son vrai nom Hippolyte Kanambe Kazembe.
il a démoli ce pays na ndenge ya kosakana te. Kabila a bomi mboka zupi na mboka pena boye a pasole yango mike mike devant la communauté internationale. Parce que Kabila, il était le marionnette numéro 1 de des États-Unis, de la France et bango nyon surtout. Parce que loko la yazagi na gou ya pouvoir. Il avait vendu la partie est entre le maire des étrangers, Kagame, France, bango nyon surtout. Alors, il pensait peut-être que non, koya ya itiseke dinde ko permettre bango. Va continuer encore au Kabila signé en 2009, hein? Si je ne me trompe pas. Encore au Kabila signé. Parce que tant que vous comprenez que non, tu sais que vous avez une rigueur, vous avez un maquillage congolais de père et de mère. Dès ce par là, ils ont commencé à combattre Tshisekedi. Je vais vous dire, ou soit je vais vous lire l'information qui vient de tomber. J'ai fini avec. Comment je peux dire l'introduction. Maintenant, au côté en développement. Les militaires polonais capturés par les FARDC dans les rangs du M23 à Rutshuru. Les pays étaient en train de partir. Nous remercions notre président Tshisekedi d'avoir augmenté notre capacité de défense. Tshisekedi, bravo. Tshisekedi, bravo. Er mon copé Fridolin Ambongo talaga ba pouwa sa Tshisekedi. Avant que o banda ko traite Tshisekedi na oyo o traite Tshisekedi. Avant que o traite l'armée congolaise na ndenge yo ko traite yango ba pouwa sa boui. Fridolin Ambongo a ko lekate pote. Paul Lobin. Mais si c'était Joseph Kabila. O romo na Fridolin Ambongo. A ko sala ba déclaration moko pour soutenir Joseph Kabila. Ko soutenir Olive Lembe. Je me suis posé la question. Fridolin Mbongo, est-ce que tu n'es pas conscient de tout ce que tu fais? Pourquoi? Les prouesses de l'armée congolaise, au sein de la Rayango propagande, prouesses, il y a avancé à FARDC au sein de la Rayango propagande, mais si c'est perdre. Localité, moko to cité, moko. Vous êtes la première personne, Fridolin Ambongo. Yakoya, Kobimana Tandoike, Koye Bisanaba Kongomani, Kenote, le M23, a ko gagné du terrain, Kagame est un bon président, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Je ferme la parenthèse. Alors, le Polonais a capturé à Rutshuru. Je vous ai dit ici, Kenon, la Pologne est contre la RDC. Il était clair. La Pologne, à part la France, n'est pas conseillé à la biseau hypocrisie. Les États-Unis, n'est pas conseillé à la hypocrisie. Mais la Pologne, il était clair. Clair plutôt. Excusez-moi. Bah, Kanda Sokeza Makasi contre bah, Joseph Kabila, bah, Kagame, bah, Moïse Katumbi, au moins même français, Bimarasou, Bienté. La Pologne. Était clair de dire devant la face du monde que non, moto a ko touché Kagame, biso to ko touché. Et puis les 5000 mercenaires polonais au Batinda kana est du Congo pour soutenir le M23. Quand je vous dis chaque jour sur mes émissions que non, la communauté internationale est contre la RDC. Au moment là, certains Congolais sur nos commentaires en train de dire aux yeux information na wapi, aux yeux information na wapi. Vous oubliez que les informations qu'on est en train de puiser, elles allaient informations où t'as la source très cher Congolais. Maintenant, vous allez dire que non, c'est ils ont information fausse. Mais vous voyez dans plusieurs chaînes en train d'en parler. Les militaires polonais capturés par les FARDC dans le rang du M23 à Rutshuru. Kagame. Il était ou soit il est prêt à coopérer avec tout le pays du monde pour que va soutenir yé babo maraka ba congolais parce que il sait très bien que non il est le fournisseur de minerais envers ba pays ébélé tio comment la communauté Union européenne ko ba kenon nous croyons pas à une solution militaire devant cette crise entre la RDC et le Rwanda. Ils sont au courant de tout ce qui se passe, Bazali, ba complice numéro 1 du Rwanda.
C'est pour cela qu'ils n'accepteront jamais de voir la RDC être grand, combattre le Rwanda. Président de la République, nous avons besoin d'être clair avec la Russie. C'est le seul pays au monde, au Wapi, à Koki, tous les Rwandais, n'a pas innocent, et occupé, parce que l'armée rwandaise est innocent dans l'est de la République. Il suffit de se procurer car on a Satan de Poutine installé en Russie. To beti angora na Kigali c'est fini na Kagame na population na bango nyonso tuba kufi. Pendant que Corneille Nanga disait que toko ya na Kinshasa renverser Tshisekedi, c'était ça. La raison c'était ça. Les renforts de Polonais. Les renforts de la Royaume-Uni. Oh wa pia ko tinda o ba demandeur d'asile bazonga awa. Ce sont des renforts. Oye koya pour nako baki c'est la Kagame na Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila aujourd'hui, s'il était réellement militaire, ndenga kosa biso ba Congolais zaki militaire. Melembo kanabiso pendant plus de 18 ans, inga keza la sous embargo pendant la règne de Joseph Kabila. Il a fallu que non. Un civil a kota na bokonzi po alon le biso embargo. Il a fallu qu'un civil aille à la tête du pays pour que tu comprennes que non c'est Kagame qui tue à l'est du Congo. Alors, rôle ya militaire au Kabila na bokonzi ezala kini. Koliaka bambongo ya Congo. Ko créer plan ndenge ni bakote ka la RDC vis-à-vis de la communauté internationale. N'est-ce pas Kabila aujourd'hui? Kabila cherchait comment est-ce qu'il va créer de business. Kabila cherchait comment est-ce qu'il va se procurer de l'argent. Kabila n'a jamais été pour la RDC. Il faut tous à la claire. Tshisekedi est en train de se battre pour le Congo, en train de se battre pour le Congo. Mais au Congo, on a motomoro ko le kanatandoike pour dénigrer le président de la République. Mokonzamboka bunda ndengozo bundila pona ba Congolais. Et nous serons là pour vous soutenir na makambo ya malamu o kusala. Soki tomoni bavir to koya to dénoncer. Ndenge moko na ba Nicolas Kazadi. Ex-ministre. Mais ba vérité bimi hein, ba vérité bimi kusala la te. Chantini Ngobila. Obomi ville province de Kinshasa. Ngobila obomi Kinshasa ya kosakana te. Ngobila, soki ba Congolais ba moni yo kotambola makolo ba kobambo mabanga, zala vigilant très cher ex-gouverneur. Ngobila komeka kutu koya te na komina Ngiringiri na komina Bumbu. Solo na ba terrasse Ngobila. Ngobila komeka na yo kutu te. Koya na komini ya Makala, komini ya Kalamu. Parce que ozo risque ba tonga yo ba epengle ebele na elongi. Parce que la population ba zana kanda na yo Ngobila. Na ba detournement nyoso tu otomoni ya ba dossier lampadaire. Ngobila vana na ndaku kupe sa population kanda te. Na interpele pe lusus na fungoli parenthèse ou fale pa na fungola. DG Asnel, un incompétent tout fait. Fabrice Lucinde, DG Asnel, un incompétent du jamais vu au Congo. DG Moro avant d'arrananda kounate ma colonna, mais ça a kota la TV, a kota la novelas. Voilà, pe DG. Au salon, au couture, bah, eba tchewana, ou bah, niko, kousela, bah, te loko, ou kousalate. DG Asnel, un incompétent tout fait. L'homme qui n'arrive même pas à gérer sa famille. Parce que ce qu'on n'a même pas qu'on gère Ndakouna, il n'y a pas Congolais qu'on gère. Voyez-vous un peu la compétence du président de la République. Ou qu'on gère plusieurs Congolais.
Parce que bon côté la bise, tout le monde a salé naé coutir, a salé naé ninoyo, a salé naé cuisine. Oui, bon t'es déjà à Snell. Ah, qu'on raisonne déjà qu'on sort la shawarma. Parce que coup na beba ben gaé bo, câble mon corps sali bo. Donc comment l'ango le roi embrie ma. Le DG de la SNEL, il est incompétent na niveau moko ya koseranate. Je vous ai dit ici, je vous ai parlé biso courant to mona kango kaka le jour mboule beta ki kake ya makazana, lumière pelika ka bwikati. Une seconde. Depuis wana to mona le sous couranté. Mais okomona DG ya SNEL Fabrice Lucinde azako vanté reni nae. Naki DG, incompétent. Vous êtes en train de faire souffrir la population congolaise. Njili, Bumbu, Ngiringiri, Bondal, Kalamu, Makala, bako souffrir na courant à cause d'un DG incompétent. Ma écoute, il y a résus des zones, en parlant même pas, tu comment comme il a forage. Mokonda mboka, yo kako lela la population. DG SNEL a zobo mela yo mandat. Il mérite d'être destitué de ses fonctions. Il faut chercher une personne qui est compétente. On ferme la parenthèse. Opération Vengeance du Léopard. Les combats font rage dans le territoire de Rutshuru. Précisément sur l'axe Kibirizi, Kikuku. Après des bombardements ciblés, les phares de semaine une offensive terrestre soutenue depuis 48 heures. Nous y reviendrons. Alors, écoutez, breaking news, sur l'axe de Rwindi, l'armée congolaise vient de neutraliser une jeep M23 transportant des munitions et militaires. Tous les militaires du M23 qui escortaient la jeep ont été éliminés. Pourquoi Sisiko y a FRDC, bandi? Fridolin Mbongo, viens voir. Parce que yo mtota ka tembe na FRDC Fridolin Ambongo, viens voir. To terminer na nous na ba analyse ko tangela bino et puis nous allons développer. Opération Vengeance du Léopard. Un important chef de terroriste RDF M23 capturé par les FRDC à Kikuku. Prouesse. Le colonel Fabien Muderezi, chargé des opérations et adjoint de Makenga, capturé lors d'une opération des forces spéciales du FARDC derrière le lune du M23 à Rutshuru. Pour récupérer Rutshuru Nyoso. Les victimes des bombardements du Rwanda sur le sol congolais reposeront dans un mémorial à Kibati dans les territoires de Nyiragongo. C'est dit mai 2024, le gouvernement y rendit avec la délégation mixte. Gouvernement, Assemblée nationale pour le préparatif de l'inhumation. Bande Konangai, plusieurs éléments du M23 RDF capturés par les FARDC. Les lots de l'Ibinoura, bonne nouvelle. De l'autre côté, les militaires polonais, les mercenaires polonais, aux arrêts, quoi y a dans le FRDC, Mathieu Balou, qui je vous dis, le plan de la communauté internationale déjoué. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, président Félix Antoine Tshisekedi a pèsi un singon à peuple congolais à travers l'armée congolaise. Kabila avait formé le militaire congolais Nabanzeta Manga. Kabila a joué à Tindi ba militaire baké ko sa la formation Nabanzeta Manga. Donc Kabila avait l'idée, il y a abomination ko sa kanate dans ce pays. Kabila avait l'idée, il y a ko zongi sa la RDC sima ya ko sa kanate. Congolais de père et de mère soutiendront le président de la République
avec l'armée congolaise. Fridolin Ambongo, ya kota la ba prouesse à FRDC, to kangi ba polonais. Fridolin Ambongo, ozo mon a te, to ozo yo kate. Ou soit, il faut te rappeler que non, l'armée congolaise vient de capturer plusieurs polonais à Rutshuru. Si c'était pour vanter les prouesses du M23 et Kagame, on va dire la première personne au Télémo Bandi Koloba. M23, Kagame, Nganganzambi Moro ya Lukuta, Fridolin Ambongo. Fridolin Ambongo, les Congolais en ont marre de vos discours. Nous souhaitons au service de sécurité d'interpeller Fridolin Ambongo et puis arrestation immédiate de Fridolin Ambongo. N'a déjà Snell, un incompétent tout fait. Alors, très cher Congolais, Kagame vient de perdre tout ce qui l'avait préparé. Le plan a été déjoué. Kabila place à Zali mal à l'aise. Aza ko transpire. Naba moyo ma kasi. Kabila ko transpire. Parce que arrestation de Polonais wana. Eza ko mimislabi so ba preuve. Que non. La communauté internationale ba complice. Mais bokomo na l'Union Européenne va toujours continuer de soutenir le Rwanda. Parce que déjà l'Union Européenne a lobby que non, nous ne croyons pas une solution militaire. Bah, eh bien, l'Ogoni ne va pas coloba. Bah, eh bien, déjà que non, solution militaire, oh, eh bien, ça, t'as proposé, Ezali, pour anéantir le Rwanda. Parce que depuis le début de cette guerre, depuis le début de ces massacres qui se passent à l'est du Congo, Bissona nous t'a répliqué. Yakobé t'a attali ça si ma wana Rwanda. Le jour la RDC a qu'on répondre, j'espère bien bande konanga y s'attendait déjà à Kouya. Parce que Tshisekedi a juste si qu'on décision ce qu'on kwey, je vous dis. Laisse-moi. Nabongama pour vous informer, enfin, avant de terminer cette émission. Dernière fois pour vous dire, la délégation de la Russie et la Chine est à Kinshasa. Quel est le plan aux délégations à Russie, la Chine, Baye, Nango, Nambo, Kanabiso? La décision qu'on avait eue pour bombarder Kigali. Poutine a mon yango très intéressant. Chine a mon yango très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. La Chine, la Russie, ceux qui vont soutenir Bissoto bombarder Kigali, c'est parce que cette guerre est la guerre moko internationale. Nous sommes en train de se battre, pas avec le Rwanda, mais avec la communauté internationale. C'est pour cela que la Russie soutient totalement la RDC. La guerre est économique, oui. Mais la guerre, c'est la communauté internationale. La guerre est économique, mais c'est la guerre avec la communauté internationale. Je veux m'expliquer. Cette guerre économique, on a l'obéli. Premier point. Bato Oyo Bazali ba numéro 1 de soutenir cette guerre économique, c'est les États-Unis, la France, Londres, la Pologne, toute la communauté internationale. Alors, pour Nabami Bimisate, ils ont pris le Rwanda Kagame, ba placé Liboso, ba ali na sima. C'est pour cela, depuis que la guerre a commencé entre nous et le Rwanda, ils n'ont jamais eu l'idée de sanctionner. Sincèrement Kagame. Parce que bah, ebi keno, derrière tout ça, c'est eux qui financent, qui donnent tout pour le Rwanda. Ayakusa la biso ayakusa la. Alors, ça ne sera pas important to kendaka na France, to kendaka kokuta na kana bango. Parce que nous avons vu clair, nous avons tous compris que non, le Rwanda aujourd'hui, ezali nango kaka
Azaïne est une marionnette. Le vrai personne au Bakosa la biso guerre, c'est la communauté internationale. Vous avez vu vous-même dans vos propres yeux comment est-ce que les Polonais ont été capturés aux côtés du M23 en plus avec de tenues militaires rwandais dans notre sol congolaise. Le minerai du Congo. Baza qu'on envisageait en haut par la communauté internationale. Baza qu'on corrompre même ba vrai Congolais. Bande konangai, toka ta mawa. Fridola mbongo, yoka ta mawa, bande ko ba koukoufa na este. Au lieu de rouler, au lieu de travailler pour Kagame, yoka ta mawa ba Congolais ba koukoufa na este. S'il faut arrêter Fridola mbongo, pour qu'il puisse nous dire réellement s'il travaille pour qui, on doit l'arrêter. Bastani Boujakira va l'arrêter. Oh, a publié mon logo, comment va l'arrêter? À quoi bon Fridolin Ambongo est plus qu'un journaliste d'investigation? Oh, wapi, à quoi publié ma logo pour édifier la population? Fridolin Ambongo a l'année Ambongo depuis Zahir Tilelo. Anani. To Joseph Kabila, il est qui pour na baye bana ko kanga été. Après tout ce que onyos tout au vivre na Congo. Botique la biso Joseph Kabila vanda. Non. Perquisitionner tout d'abord Kingakati. Place au wapi Kabila a bomba babiloko ya somo. Perquisitionner aussi Kashamata et puis Kashobo ya Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi aussi il a été incapable pendant la période électorale de dire que Kagame est un criminel. On savait déjà que non, c'est l'ami numéro 1. L'ami sincère. Il y a Paul Kagame. Toloba qui fali a yemba yango. Ndo ki ata azana maseke te togoye bayana bizaleli. Bizaleli a Moïse Katumbi la kisa biso clair. Il est avec Kagame. Il est avec qui? Les Rwanda. Voilà.